Eh bah salut tout le monde, c'est Tagorclo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play. Et oui, bien entendu, on fait un nouveau changement, nouveau let's play, nouveau jeu. Et comme vous avez pu le voir sur l'écran de votre chaîne YouTube préférée, c'est The Amazing Spider-Man sur la version PC. Donc je joue avec une manette Xbox 360 vu que ça appartient à Microsoft, donc ça marche sur les ordinateurs. Et sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite une nouvelle partie. Alors, on va se mettre en mode héros, créer une nouvelle partie. Et oui, parce qu'en fait, j'ai testé le jeu avant. Voilà. Donc, on écrase la partie précédente. Peter, qu'est-ce que vous faites là? Je suis là pour vous faire sortir de cet asile. Mais c'est vous qui m'y avez mis. Et pour une bonne raison, je ne... Je sais, c'est dingue. Mais le temps presse, Connors. Il s'est passé quelque chose de terrible. Et donc, on va voir un peu ce qu'il se passe. Le progrès. 5 minutes d'avant. Salut, Peter. Salut! Merci de m'accompagner, Peter. C'est courageux. Il va falloir faire attention. Je ne suis pas censée être ici après la fermeture. J'espère que ça se passera mieux que la dernière fois. J'en garde un mauvais souvenir. On ne fait pas de mal. On est là pour enquêter. Il se passe des choses bizarres ici le soir. Des choses que le docteur Smythe désapprouve. C'est quelqu'un de bien, tu sais. Il veut remettre cette société sur les rails. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo. Bon, qu'y a-t-il de si terrible au royaume de Scorp? Je crois qu'ils poursuivent les travaux du docteur Connors. Les expériences génétiques. Viens. Tu veux dire qu'ils fabriquent des lézards? Ça et d'autres choses. Je ne suis pas sûre, mais on va le découvrir ce soir. Au Scorp a les scientifiques et les ressources qu'il faut. Pourquoi ça ne pourrait pas profiter aux gens? C'est pour ça que je suis revenue. Le docteur Smythe veut changer les choses. Je sais. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour toute l'humanité. Bonjour, messieurs. Robotique. Bon, attends une seconde. De la nature à l'homme. De l'homme à la machine. La voie du futur. De toute façon, on ne craint rien, puisqu'on n'arrivera pas à entrer. Trop tard, on est rentré. Essaie d'être discret. Bonjour. Waouh, regardez-moi ça. Je savais que Smythe c'était Monsieur Nanobot, mais je savais pas qu'il aimait aussi les gros robots. Quand je pense que t'as le droit de jouer avec tous les jours. Et je ne m'en lasse pas. Regardez-moi ça. Les engins. Regardez, on voit mon épaule. C'est quoi ça? Oh non! Ça pourrait être la preuve qu'ils poursuivent les travaux de Connors. T'as pas réussi à t'attraper. Comment ça se fait qu'il bouge encore? Je sais pas, je vais donner tout ce qu'on avait. Personne n'est blessé? Gwen? Oui. Ça va? Merci, docteur Smythe. Hey, vous allez avoir de gros ennuis. Vous n'avez rien à faire ici. C'est bon, ils sont avec moi. Qu'est-ce que vous faites ici, Gwen? Vous n'avez pas le droit d'être ici à cette heure. Surtout avec un invité. Docteur Smythe, je suis vraiment désolée. Voici mon ami, Peter Parker. Peter Parker. Moi, j'ai entendu parler de vous. Et moi j'entends beaucoup parler de vous ce soir. Alors, que faites-vous là? Tout est de ma faute, docteur. Je suis admiratif de ce que vous avez fait dans Scorp. Quand j'ai entendu parler de tous vos changements, vous savez, les nanobots, j'ai eu envie de voir. Vous avez travaillé avec eux. Maintenir RB. Voilà. J'ai un petit souci en fait, c'est que il me plantait le jeu. Gwen, est-ce que ça va? Ça va aller, merci. Conduis-moi dans la zone de quarantaine. De là, je pourrais t'aider à sauver les autres. Ok. Ces robots ont l'air d'avoir une dent contre moi. Ils sont programmés pour nous protéger des créatures mutantes. Ce que tu es, techniquement. Alors oui, sois prudent, Peter. J'espère que je vais pas planter encore une fois. Ça alors? T'as vu ça?
T'en fais pas, Gwen. Je vais te sortir de là. Ça ne marche pas. Il me tient. Essaie d'utiliser ta toile pour traverser. Et si ces choses s'enfuient du bâtiment? Je préfère ne pas y penser pour le moment. Des robots! Attention! Reste ici, je m'en occupe. Faut vraiment que tous les robots m'attaquent! Ouais, ça c'est fait. On a assez vu. Il est temps de sortir d'ici. Parfait, LT. Hop là. T'es où, Gwen? T'es là? J'arrive. Je sais pas pourquoi j'ai planté. Ne me demandez pas, je n'en sais rien. Ah ouais, carrément. La porte est verrouillée. Il faut trouver un autre chemin. Par là. Génial. Le système de sécurité d'Oscorp. Zone de quarantaine est de l'autre côté. Reste ici, Gwen. Je reviendrai te chercher. Ok. Ça c'est la vision. Ah ouais. Ah ok. En fait on a attends. RB. Voilà. Là y'a rien à toucher. Je vais rechercher Gwen. Allez Gwen, je vais te conduire en lieu sûr. Merci Peter. Voilà, ça c'est fait. Je dois aller chercher les autres avant que ça dégénère, vraiment. Peter, on sait tous les deux que ça a déjà dégénéré. Le docteur Smythe pourra t'aider. Trouve-le. Je vais essayer, mais Gwen, dis-moi franchement.
Qu'est-ce qui va t'arriver? À toi? Je ne sais pas. Mais rien de bon, en tout cas. Je suis infectée, Peter. Nous le sommes tous. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Connor, s'il n'y a qu'une seule issue? Mais... et pour l'antidote, alors? Si ça a marché une fois, alors... Connor a été exposé à une souche plus ancienne. Ce n'était même pas encore un virus. Depuis, elle a évolué, muté. Il n'existe pas d'antidote contre ça. Et si je réussis à arrêter tous les mutants? Il faut les arrêter, c'est une évidence. Mais même dans ce cas, il y a toujours un risque que le virus se répande. Gwen, reste calme. Je promets qu'il ne t'arrivera rien, d'accord? On va trouver un moyen. Je vais aller chercher Smythe et les autres. Avec un peu de chance, il est peut-être pas trop tard. Attends, Peter, prends l'osphone sur la table. Le quoi? C'est le nom du téléphone d'Oscorp. Ce n'est qu'un prototype, mais ça me permettra de t'appeler. Ok, je serai de retour dès que possible. Ok, on a des améliorations, je vais voir ça après. On va prendre l'osphone, comme il dit. Est-ce que je peux avoir une amélioration? Oui, on va améliorer les dégâts là. Ici. Voilà, tranquille. Smythe s'en est sorti. Oui, je l'ai amené en quarantaine avec les autres scientifiques. Mais ils sont tous infectés. Et les créatures mutantes, où sont-elles? J'ai essayé de les arrêter, mais elles se sont échappées. Vous m'avez eu, moi, le lézard. Quelle est la différence avec ces créatures? Ah... si vous saviez... Maintiens L et appuie sur Y pour faire une roulade. Ok, merci. On continue. Ok, donc là, si je comprends bien... Gwen, ça va? Je ne sais pas. Je dois rester ici jusqu'à ce qu'on trouve un antidote. On ne peut pas prendre Gwen, le risque sortir de trouver dans l'infection. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Prends prudent, Peter. Le docteur Smythe a programmé Zéro Bon pour capturer tous les mutants. Et tu es un mutant. Bah, wow, c'est quoi ça? Il y a un tremblement de terre, téléphone portable. Attendez, je regarde un peu. Ouais, c'est Peter, ça va. Je sens que j'aime déjà ce téléphone. Ok, je sens qu'on va avoir droit à quelque chose. Comme vous pouvez le voir, la créature s'est interrompue au beau milieu du parc. En y regardant de plus près, nous confirmons qu'il s'agit d'un même reptile que celui qui a récemment terrorisé Manhattan. Curieusement... À un moment donné, j'ai cru qu'elle était écrasée, moi. Allez, hélicoptère! Oh. Ok... ok, Smythe. Vous en faites un peu trop, là. Hé, hey, reviens! Mais je suis sûr que c'était pour toi! C'est pas vrai? Je n'aime pas ça! Les lasers sont très dangereux pour la santé. Voilà, je sens, je peux faire tuer. Il faut carrément le détruire en fait. D'accord. Je
Ok, je suis mort. Ça commence déjà bien le jeu. Je fais du n'importe quoi. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Un robot aussi loin, comment un point faible de quelque part. Merci d'aller. RB, cherche RB, RB les dards. Je vais juste en dessous, j'en ai un faire plus con. Compris-moi. Ah voilà. Cadeau de la maison. Non, je m'étonne. Il a des sorties d'aération sur le dos. Un point faible peut-être. C'est pas poli de fixer les gens comme ça. Merde, faut que ça passe. J'arrive. C'est maintenant ou jamais. À l'attaque. J'esquive les gars, j'esquive, voilà. Ça. Et de une. Voyons un peu les activations.
Vibre. Et ben ça tombe bien parce qu'on arrive au chapitre 2. Je vais en rester là pour cette fois-ci. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner, de faire abonner vos amis. C'était Agorko et tout de suite, c'est l'outro. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye.